Salut à tous, c'est Jérac. Aujourd'hui, on se retrouve sur EU4 en compagnie de Macrintor et Serikai. Salut. Salut tout le monde. Moi, je vois qu'il est parti en couille, il a le zalé. Bon, ça va, ça fait plaisir. On récupère. J'attends encore un an avant de pouvoir tabasser du. Non, mais vous venez m'aider pour le Mamelouk et vous vous taisez, c'est tout. Ouais, bah, un peu comme tu m'aidais pour la Bougonne, enculé. Je te fais un prêt d'argent. Alors, en plus, déjà, tu as utilisé mes bateaux pour venir, s'il te plaît. Ah bah voilà, déjà, ouais, si tu veux que je te... pas te créer une flotte, non pas... Bah, je suis une flotte de guerre, là, actuellement. Ouais, si, j'ai de la thune, mais je suis une flotte de guerre. Enfin, bon, j'ai 5 navires de guerre. Bon, je... C'est bon pour m'aider ou pas? Bah, bien sûr. Mais venez, alors, venez sur mon territoire, je vous attends, je vous accueille à bras ouverts, le thé et tout. Voilà, le palatine. Le thé à la menthe. Deux petites secondes, attends. Les petits macroutes. Petite tata, vous arrêtez de me casser les couilles, les deux, là. Le kebab aussi, pour... Oh putain, il y a une belle guerre là entre. Ouais, je vois ça, c'est pas grave. En parlant de kebab, le kebab près de chez moi a été racheté par un autre. Tout le monde s'en fout. Mais grave quoi. Vous avez pas de le dire. Oui, non mais. C'est souvent que les kebabs se font racheter par les concurrents. De toute façon, à Marseille, ne mangez pas un kebab. Je pense que c'est un conseil universel. Ou sinon, vous allez à la fac et vous mangez un kebab dans la cafette. Alors, c'est beaucoup moins bon, mais au moins vous êtes sûr que c'est propre. Des kebabs, je rappelle, il y avait un kebab près de ma fac, moi, Sergi. Ah non, mais moi, c'est ma fac même qui fait à la cafette. Oh putain, ouais, j'ai des vieux steak frites dégueulasses. Non, non, si, c'est pas qu'ils sont encore roses à l'intérieur. De toute façon, moi, c'est à la cafette de la fac, c'est simple. Ils te font tout en sandwich, c'est moins cher. Le cordon bleu, c'est dans le sandwich. Le problème, c'est les spaghettis en sandwich. Hein. Ça c'est les boîtes, moi. Deux petites secondes, avant de te rejoindre, là, je suis en train de faire une mission, vous savez, de colonisation, donc j'envoie mon colon, je le rappelle. Non, mais c'est 557 jours. Mais je reviens pas. Comment il peut mettre autant de temps pour arriver de là-bas? Bah écoute, le bateau. Il y avait pas l'hélicoptère, il y avait pas l'avion, il y avait pas la garde nationale. Le bateau. J'attends, c'est long. Plus vite. Ah, j'avais pas sur Alab. Ouais, non, Alab, j'avais dit que c'était pas la peine. Ouais, quoique, t'as le temps en fait. Si tu veux venir me chercher, pas de soucis, tu me dis. Mais je t'attends. Je suis déjà en. Putain, en Languedoc. Et tout. En plus, faut y aller à Pince, quoi. Sérieux. J'arrive. Je suis en Languedoc. C'est bon, c'est pas comme si. J'aurais pu aller à Poitou. Catholique veulent me convertir. Tiens, on l'a reperdu. Que je regarde un truc, est-ce que. Ah, en fait, je peux pas embarquer comme ça, faut que t'ailles en mer. Ouais, c'est ce que je me doutais. Ah putain. Je perds des claims sur les provinces à côté. Allez, on remet. Oh, j'arrive à être bénéficiaire même sans. J'ai désactivé. C'est bien aussi cette option, dès qu'on déclare la guerre, entretien max, morale max. Il a quoi comme flotte le Mamelouk? Il y a pas de bateau vraiment très très dangereux, mais après je sais pas exactement. Je peux regarder dans Ledger. Je suis dessus. Ah ouais, il a 10 galères. Parce qu'en fait, il faudrait intercepter sa flotte et moi je pourrais envoyer ma flotte Attends. De guerre. Je m'occupe de la côte du côté tunisien si tu veux. Mamelouk, il a 21 000 hommes. J'amène 16 000 hommes en plus, si ça peut t'aider. Crie pas. Je m'occupe de la Il a au total plus de il a 33 000 hommes. Hein. Ouais, bah mais dégage-moi, je vais débarquer à Sirte. Emmène-moi à Sirte, dans le golfe de Sirte. C'est du côté tunisien. C'est en haut de la Tunisie. Ouais, non, golfe de Sirte. Benghazi. C'est où ça, golfe de Sirte? Putain, mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Tu connais la fonction F pour rechercher? Sirte, c'est en Libye. Kadhafi, la guerre en Libye, ça te dit rien? Putain, le mec. Ah, mais de Chypre, vous voulez dire plutôt, non? Mais de Sirte, tête de bide, va S-I-R-T-E. Tu vois la Tunisie, tu vois, c'est un peu plein d'Arabes. T'as le golfe de. Le Cap Bon, le golfe de Gabès et le golfe de Sirte. À gauche! Et t'écris Benghazi. Ah, de Sirte, ouais, ok, ça perpète. vous me disiez là. Mais c'est pas grave, okay, j'ai mis. La Tunisie, moi je voyais la Turquie, non, mais c'est bon. Tu vois la Tunisie, voilà. Vous avez vu l'heure, non, mais s'il vous plaît. Allez, les excuses, l'autre, c'est comme les trous du cul, on en a tous, hein, je t'ai déjà dit les excuses. Voilà. Bon,
Novgorod qui est tout pourri, je l'attaque. Mais t'arrêtes un peu de cette violence gratuite là? Non! Allons quoi? Je vais faire la guerre ou pas du coup? Oui, si tu veux, vas-y, je suis en train d'être mon renfort. Alors attendez, juste je lance une procédure dans. Ouais, c'est bon, la coalition est finie contre moi. Ah, très c'est... bien. Voilà. Je peux annexer un vassal en fait avant de. Enfin, annexer, lancer la procédure d'annexion avant de déclarer la guerre. Bien, 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 fais-toi plaisir. C'est mieux que je fasse le casus belli de prendre un corps d'un, de caca ou mon corps à moi? C'est pareil en fait, ça change rien du tout. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Par contre, tout le monde vient. Oui, je viens moi, je devais être moi aussi. Alors attendez, il y a peut-être un truc que je peux faire juste un tout petit peu avant. Hein? Je me suis endormi, qu'est-ce qui se passe? On attend les Girac pour qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils lancent la guerre. C'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Accepté. Ah, attendez, j'assure mes arrières, c'est bon. Je regarde si l'économie va bien. Oui, oui, oui. Je fais appel à DSK pour me conseiller. Je vais essayer si mon économie va bien. essaie de trouver où est sa flotte et va la bloquer dès que j'ai débarqué. Je pense qu'il doit être... Ah, dès que t'as débarqué, pardon. Voilà. Putain. C'est bon, vas-y. Le mec, j'ai perdu 2000 hommes d'attrition tellement t'as un plot. Ah tiens, j'ai trouvé sa flotte. Non, c'est à Tunisie, ça. On ah oui, avec... oui, je vois sa flotte, au secours. Rangez-vous, rangez-vous. Je protège ma flotte de commerce. Voilà. Ouais, ils sont nombreux. Tu la trouves et on la défonce. Moi, j'ai mes 5 navires de guerre là. T'as des galères. Bah, il est dans le Palestinian Coast. Palestinian Coast, c'est là-bas. Donc allez, je t'attends à la baie d'Alexandrie. Ouais. Ah non, non, ils sont au nord. Non, là. Tu me laisses débarquer. Non, mais attends, ils sont au nord là. Ils étaient en Saint-Alia. Ah non, non, ils font un blocus chez moi là. Ok, vu, on y va tous les deux. Je le bloque dans la baie. Dans la mer Égée, voilà. On le bloque là-bas. Hey, Grouille, t'arrives, ouais. Ouais, j'arrive. Normalement, c'est on a. Bon, je vais l'intercepter. Hey, vite, 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 copain, avant qu'il nous fasse couper en. Attends, j'envoie aussi voilà. ma flotte de commerce. Voilà. C'est bon, on va les défoncer. Voilà, au revoir la flotte. Maintenant, on va voir où elle va. Elle va sûrement aller. Elle va où? Golfe de Sirte, peut-être. Sans doute. Non, c'est une étape. Ah, ça y est, je Golfe de Bomba. Je vais pousser. Je vais aller direct au fort. J'ai le protophile clampin de Edjaz et Mabouk en. Oui, oui, je vois ça. Je bouge pas. S'ils me font dessus, là, t'intéresse. Golfe de Bomba, envoie ta flotte de guerre au Golfe de Bombay. C'est en route. Enfin, ma flotte de guerre plus celle de commerce. Hein. Voilà, et là je vais le faire sortir. Voilà, il y a plus personne dans la coalition contre moi est terminée. Je crois qu'il y a plus que l'Autriche. Très bien. Ouais, l'Autriche est la dernière tout le temps. Que voilà, on va le défoncer. Bohème. Oh putain, j'aime pas ça. Bohème a arrêté le droit d'accès que j'avais avec eux. Voilà, je vais. Hop. Ah, ils ont été. Ouais. Je sais pas si je vais attaquer Nadj ou pas. C'est quoi le terrain? Et Highland. Je vais attendre là. Hein. Au cas où. Moi, si je me tape un peu d'attrition ici. Et ils sont quel niveau tech? 8. Ouais, ça va, je suis niveau 10. Donc, Je vais vite faire sortir sa flotte. La flotte elle est là, ouais. Oh putain, je me tape de l'attrition. Et du cas. Si vous avez besoin d'argent, vous me faites signe. Voilà. Auto-colonie Saint-Martin. Théorie, j'ai de quoi vous payer. Saint-Martin. On recall. Abandonne. Ah, il t'attaque. Envoyer. J'arrive. Ouais. Un peu tard, mais bon. Clem Gascogne. T'es combien en tech militaire en tech? Moi, je suis niveau 10. 10, ouais, c'est bon. Voilà, je fais sortir la flotte. Et si ça vous intéresse, la guerre de mon côté se passe très très bien. C'était en guerre contre qui déjà? Novgorod. Putain! Monsieur, il est dans 50 guerres en même temps, il y a en personne. Guerres, tout. Je refais sortir sa flotte. Il énerve l'autre. Je m'avance, hein. Je vais récupérer le fort à l'autre bout. Si tu veux. Ils pourront pas me faire plus de... Enfin, ça sert à rien, de toute façon qu'on s'entasse comme des bœufs. Là, c'est bien parce que du coup, ça va faire partir ses bateaux. J'adore quand ça fait ça. On n'arrive pas à lui choper le moindre. On ne lui a pas coulé le moindre bateau. Hein. Non, bah non. Mais il a abandonné vite fait, il a compris. Hein. Il a aucun navire lourd. J'en ai que 5, mais il a beaucoup de. Ouais.
Je suis en guerre contre la Crimée. Non. Non, c'est Gênes qui est en guerre contre la Crimée. Ah ouais, 55 navires. Ouais, on va à on côté. Un navire, ouais. Fais le blocus. Je vais me réparer un petit coup. Le temps de... Ah merde, j'ai plaisir. Un tic. Est-ce que j'ai besoin de me réparer, moi? Non, ça va aller. Oh, Novgorod, il s'est parti de Moscou. C'est dommage pour lui. De toute façon, il va pas Taran avec sa flotte. Oh putain, j'ai 23 000 hommes qui viennent me taper dessus. Je plains presque Novgorod qui a fait casser les dents encore une fois. Ah, ils viennent de là, du sud, ouais. C'est ceux qu'on avait attaqués en fait. Du coup, on te les a renvoyés. J'ai mon général, il prend cher, voilà. Bah, l'essentiel c'est que qu'on leur fasse du dégât quoi au manpower. Voilà, c'est. Ouais, le problème c'est que ça fait des dégâts au tien aussi. Ah putain, je me suis fait attaquer de l'autre côté aussi, les enculés. Ah, oh, ils t'ont quête. T'as besoin d'être des bateaux pour fuir? Non, je vais me... Tu me dis, hein. Ah putain. Parce que si tu perds tout, c'est... À la béprise. Je l'ai refilé à Syrie. C'est ça qui est chiant aussi, cette histoire de couloir, quoi. Mais c'est vraiment infâme pour se battre. C'est pour eux que c'est chiant. Oui, pour eux, mais quand toi t'es au centre et que tu te fais avoir des deux côtés, tu me dis si t'as besoin. Hein. Bon, moi je suis mort, je me suis fait. Bon, bah, moi mon armée est morte, j'existe plus. bah, tiens, je vais te faire un super dédommagement express. Je vais rapatrier. Bon, l'avantage c'est que la coalition a pété, donc la manpower est revenue à la cool. Les Girac Assurance. Voilà, merci. Vous avez été endommagé, les Girac Assurance est là. Hop, on va se faire une armée. Depuis 150 ans, les Girac Assurance. Assure les puissants comme les humbles. Mais surtout les puissants, parce qu'on aime bien les... Oui, non, surtout les puissants, parce qu'il y a que qui peuvent être rentables, ils se battent à ma place. Bon, faut se fabriquer une armée. Faudrait que je me pense à me faire une armée aussi. Enfin, une flotte aussi, de transport. C'est le prochain objectif. Tu peux aider, oui. Ouh, idée administrative... Corps création cost moins 25%, je prends ça moi. Ah mais je l'ai pris ça. Allez, attends, coût des corps là, moins 25%, vu ce que je vais avoir à Corée moi. Je sais même pas si je l'ai pris dedans moi comme un con que je suis. Ah oui, je l'avais pris, c'est le seul que j'ai pris pour l'instant. Putain, mais je comprends pas les Limousins. M'en fous ça. La guerre elle est finie pour moi. Je refile tous les points que je prends là et je les redonne à la Syrie. Hein. Il y a les Mamelouks là qui sont gros, je trouve. C'est les temps qu'il faut pour les coloniser. Le seul avantage qu'on a en fait, c'est qu'ils sont vraiment très en retard en tech. Ouais, et qu'ils prennent tellement cher à chaque bataille. Cher, parce qu'en plus j'ai les Janissaires. Ah oui, ça aide. Et ouais, je sais pas, ils ont des canons, ouais, ils ont des canons. Et j'ai les Janissaires en plus, j'ai le niveau supérieur des canons, j'ai le niveau supérieur de, enfin, de plein de trucs qu'ils ont pas. On s'avance bien. Puis là, on n'est pas loin de. Et le fait que Macrintor soit sacrifié plus loin, ça les a distraits. Mais là, il faudrait qu'on aille les attaquer une bonne fois pour toutes dès que le siège du fort est fini. Tu peux me ramener limite ta flotte. Non, mais c'est pas la peine que tu viennes. Hein. Ce qui m'a foutu dedans, en fait, c'est que je me suis retrouvé à avoir splitté mon armée en deux. Ouais, mais t'as pas besoin de revenir. Hein. D'accord, ça marche. Bon bah je rebaisse la maintenance de mon armée. Voilà, hop, plus 10 par mois. J, dès que t'as pris le fort là, avec tes 29 000 hommes, on fonce sur les Mamelouks hein, pour leur plus l'arme. Oui, c'est ce que je disais, ouais, quoi, on attaque direct. Oh putain, la bohème il m'a mis en rival cet enculé. Oh merde. Non, pas en rival, mais en mode, il m'aime pas. C'est con ça. Je sais pas, pourtant je suis à plus 74. Oui, ils sont plus aléatoires, je sais pas. Non, mais ouais. C'est des rivaux, hein, ça après. Mais moi, pourtant, ils m'aiment bien toujours. Civil War en Afghanistan, ça m'étonne pas. Ah, j'ai augmenté ma réputation, quand je rassemble relations, ils vont arrêter d'être énervés. Ah, c'est bon, le fort est fini, on peut attaquer. J'y vais en premier, vas-y. Vite. Mais non, mais... Voilà. Voilà. J'aurais peut-être dû recruter quelques mercenaires. Bon, on a perdu Serikai comme d'hab au téléphone. Oui, les bâtiments, vu que j'ai des thunes, vu qu'on m'a dédommagé pour les investissements. Ils ont des avantages, faut aider encore comme d'hab. Oh, c'est écœurant ça. J'en ai marre, de toute façon, moi les dés, voilà, je suis toujours zéro, mais. Dès qu'il y a mon drapeau, tu vois, c'est forcément, il y a un dé de merde.
Elle est finie la bataille ou pas? Non, voilà, maintenant oui. C'est bon. Du coup, je vais partir, je pars en avant. Il faut leur prendre du maximum de place. Si on pouvait leur avoir la côte aussi, enfin pas la côte, mais leur attaquer la côte. Oh, après, j'aimerais trop avoir le nœud là. Oh, d'Alexandrie. Bon général que j'ai là, oh, ça fait tellement plaisir, j'ai envie de jouir. Retiens-toi. Il faudrait qu'on attaque le fort aussi. Oh, ils sont nombreux. Ah non, ils vont au fort. On réattaquera le fort. On réattaque le fort? On y go là maintenant? Ouais, on y go tout de suite avant que... Tu vois, ils sont nombreux après. Ottomans. Je vais me redébarrasser de province, que je vais refiler à la Syrie. Castille, les états papaux, non? Ça vous dirait après une guerre... En plus, ils se battent avec des dromadaires. Ça vous dirait après une guerre avec... contre la Suède et le Portugal? Tu as le dromadaire tout de plus. Qu'est-ce que tu veux? Une guerre après contre la Suède et le Portugal. La Suède et le Portugal. L'Angleterre. Suède, ah oui, parce que c'est les Anglais, non? Ouais. Mais il fallait dire les Anglais, ça aurait été plus simple. Mais ça, il faut dire les Anglais et tous les alliés que ça comporte. Ouais. Les Anglais, toutes les emmerdes que ça comporte, oui. Toutes les emmerdes aussi, accessoirement, mais... faudrait qu'on se refasse, moi je me referais bien aussi, ou sinon si on déclare, je déclare la guerre à la Bretagne, on se retrouve en guerre contre Castille et les étapes... Ah oui, Castille, j'ai oublié ce détail. Ah oui, non, miracle les gars, admirez, j'ai ma première collision contre moi. Oh, l'Écosse est en train de défoncer l'Angleterre. Coalition. Oui, ouais. Mais ça va, elle est pas... L'Écosse a défoncé la flotte écossaise a défoncé la flotte portugaise. J'ai une collection de Riga et de Pskov. On en parle? Écoute, si elle arrive à terme, ce serait marrant. Quand j'y arrive à terme, c'est-à-dire qu'il y a la guerre. Hein. Bah, bataille de Damas, très bien. Les troupes de Nage se sont suicidées sur nous. Mmh. Bah, je vais me re-recruter un explorateur. Elle est où leur capitale? Ah ouais, l'autre, il est mort. Look, au Caire. Elle est au Caire? Ouais. Oui, c'est au Caire, le même look. Non. T'es sûr? Ah, le Caire. Oui, c'est pas... oui, oui. Oui, elle est là. T'as cru que j'ai dit quoi? Non, non, j'ai compris Alexandrie. Le Caire, Alexandrie. Oui, non, mais faut pas chercher. Ah, t'es en guerre avec Novgorod, toi? Oui, je te dis. Le mec, il est à deux guerres. Bah, moi, ce que j'adore, c'est... Le truc que j'adore, c'est... J'ai pris, vous savez, les relations avec les Zoulous, pas les Zoulous, avec les... Merde. Les populations indigènes. Ouais, genre cool, on se fait pas la guerre. Et là, j'ai un event qui proc. Il dit quoi, cet event? Ouais, ils perdent d'un d'agressivité. Mais putain, je m'en bats les couilles, il pourrait gagner 40, ça me fait rien à foutre. T'as envie de dire, putain, oh, t'as l'Autriche qui est... l'Autriche, va falloir qu'on s'en occupe, les gars. Parce qu'ils sont en train de s'étendre en Hongrie, à Venise... Ah, par contre, Venise occupe Venise. Non, mais Venise appartient à l'Autriche. Il m'attaque. Non, de toute façon, t'as plus de troupes. Ouais. Oh, non, ils sont vraiment nombreux, par contre. Alors, attends, ouais. Je vais voir. Ah ouais, j'ai plus de troupes, moi. Faut que je rentre chez moi. Je suis à zéro en manpower. Je peux plus pas de me faire de guerre, là. Vous avez besoin d'un coup de main ou pas? Moi, manpower, je suis tranquille. Ouais. Finance, je suis tranquille. Alors, attends, fais une paix, à la limite. Oui, je vais faire une paix, ça sera plus simple. Alors, déjà, on va prendre ça. Ah, oui, ok, bon, il y a des limites. Je vais prendre celui qui est tout simplement le plus cher. Ah, je vais prendre Alexandrie. C'est un peu loin quand même. Ouais, c'est dur à défendre. Tu peux pas fider la Syrie? De la Syrie, ouais. Attends, alors Claire offert. Oui, non, c'est ce que j'étais en train de faire, mais je regarde juste en fait par rapport au coût. Tu fides Bachar et voilà. Alors, est-ce que ça c'est bon? Non, bah tant pis pour ça. Ah, il veut pas. Bon, je le raquette un peu et c'est bon. Ah ouais, putain, il y a du monde. Donc il va perdre 1, 2, 3, 4, 5 provinces, dont 4 pour la Syrie. Je pense que c'est raisonnable, hein. J'ai pas non plus envie de toute façon rentrer dans l'excès.
Ah ben ting ding. Ah oh, si on avait su. Ça c'est mon skill ça. Ouais toi c'est de l'arrêter avant le. Avant que ça gueule. Ah on aurait perdu Sirikai, ça faisait longtemps. Alors attends, on va sélectionner ça et puis après ce sera. Bonne nouvelle, je suis passé dans le rang Empire. Ah, bah il était temps. Bien. Il était temps. Ah, encore. Il me manque. Oh, je suis à 603. Bon. Ok, allez. Voilà. On arrête l'épisode là. Attends, j'ai une petite interaction avec mon vassal. Ouais. Yaroslav. Ouais, parce qu'après. Ah, je sais pas quelle heure il est. Oui, on a encore le temps un petit peu de tourner. Ouais, bah moi, ça me va. Ok. Donc on arrête l'épisode là ? Ouais. Ok. Allez, bye bye les gens, bisous ! Bisous, ciao tout le monde. Ciao.